Allez, coucou les amis. Allez, une petite vidéo pour commencer, pour vous montrer comment c'est, bien évidemment. Et puis, on va y faire l'entretien, hein, parce que bah, la mauvaise herbe est là. Et puis, en même temps, bah, vous voyez, les pommes de terre, il y a le mildiou. Mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Je procède au nettoyage. Et je vous reprends après quand c'est terminé. Voilà les amis, allez, après 1h30 de labeur, de désherbage et puis bien évidemment de retournement de sol avec binage. Voilà, donc là ça va être propre pendant un petit moment. Hein. Donc là je vais attaquer la partie là qui se trouve entre les deux serres là, ici, hein. Je vais l'attaquer après. En tout cas de ce côté là, voilà, là c'est propre. Donc ici ça va accueillir les cultures. Les cultures d'hiver, hein, savoir choux, salade, etc., etc., etc. Donc ici, hein, j'avais de la tomate. Hein. Voilà, bon, bah c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, les amis. C'est ainsi fait. Voilà. Allez, je poursuis. Là, je vais nettoyer les patates douces qui se trouvent ici, arracher les tomates qui sont en maladie et enlever toutes les feuilles mortes de tomates et les attacher bien évidemment puisque c'est mon restant de tomates. Alors j'espère que j'en aurai pour septembre. Hein. On verra bien. Allez, c'est parti, je vous reprends après. Voilà les amis, voilà la serre est nettoyée, les tomates sont attachées, les feuilles sont découpées. Voilà donc les patates douces qui sont de ce côté là. Et ici vous avez quelques tomates qui ont été sauvées avec deux poivrons. Voilà, alors j'espère que je vais en manger de celle-là. Voilà les amis, allez je continue. Voilà les amis, bon ben je suis assez content, donc là les haricots, hein. Haricots qui poussent tranquillement. Et puis ben voilà, les tomates. Donc ça, ce sont les cœurs de bœuf. Voilà, qui ont réussi à... Que j'ai réussi à sauver. Alors, même au détriment des puristes, hein, la bicarbonate de soude, oui, c'est bien. Mais bah, je m'excuse, mais la merdouille de bouillie bordelaise, bah, c'est ce qui me les a sauvés. Hein. Alors, j'aurais peut-être dû traiter en amont avec le bicarbonate. Peut-être que la maladie ne serait pas installée. Mais en tout cas, j'ai réussi à sauver mes tomates avec les bouillies bordelaises. Donc, n'en déplaise aux puristes hein, et aux écolos. Hein. Et ma terre, je vous rassure, elle n'est pas polluée par le cuivre. Voilà, enfin en tout cas, j'ai réussi à sauver mes tomates. Voilà, donc là, c'est de la cœur de bœuf. Voilà, bon, bah écoutez, je vais quand même en manger. Je suis assez content. Allez, je vous souhaite un bon dimanche à tous. À bientôt.